Pour l'œil, c'est bon. Et le générateur à distorsion. Alors là. Le générateur à distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Dispositif de saisie. Ouais. Mais je sais ce que je dois mettre dedans. Les nomades tentèrent d'appeler à l'aide, mais le système de communication du vaisseau n'avait pas résisté au crash. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages provenant des autres vaisseaux nomailles. Les clans nomailles restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les nomailles ont détecté. Comme les nomailles craignaient que le signal ne disparaisse, ils sont passés en distorsion sans prendre le temps d'informer un autre clan de leur destination. Et oui, bah oui, mais... Quel rapport ? Ah, parce que... Attends. Nomai réfléchir à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant mais hautement avancé dont ils avaient besoin. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Merci Anemi pour les 5 subs offerts à la communauté, merci beaucoup. Généreux de ta part. Merci à Sleeping pour le Prime, merci beaucoup. Oui, mais ça, on connaît ça. Oui. Oui, ok. Oh là là. Ça, c'est les histoires de tours de distorsion, ça. Elle a réussi à forger un générateur de distorsion. Mais comment est-ce qu'elle a fait, quoi? Comment est-ce qu'elle a fait? Excusez-moi, ça prend du temps. Oui. C'est pas loin. Ouais, non, mais je sens que il... Comment faire là? Putain. Non, 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 non. Tiens. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller là. En plus, c'est bien lié au truc, quoi. Ah, c'est pas très loin, quoi. C'est sûr que c'est cette merde. Ou pas, hein. Générateur de distorsion est mort. Ah oui, mais je sais bien.
Bah écoutez, va falloir qu'on y retourne, hein. Je me souviens plus de ce que j'ai fait ou pas là. Ah, attends, je vais bien tout regarder quand même. Ouais. Bah ça pue la merde. Hein. Enfin, je vais relire ça. Je suis désolé, ça prend du temps. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Oui. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral, blabla, ouais. Ah ouais. Mais comment je peux faire, quoi? Bah c'est bien à chier quoi. Parce que je vais être obligé de retourner là-dedans. Enfin, pas obligé, mais je vois un peu que ça. Et oui. D'acta pour les 3 mois. Bon, on va aller sur sablière rouge, hein. Terrible. Je préférerais retourner sur son bronze, hein. Let's gong. Je vais me prendre sablière noire en pleine gueule, super, merci. Stop. Stop, stop, stop. Alors, 8G, je sais pas comment tu as pu passer au travers de la modération. Mais tu dégages. Au revoir. Au revoir. Merci Scootatuf pour les 2 mois. Et Sirek pour les 8 mois, merci beaucoup. Ok. Let's go. Bon, bien de la merde dans cet endroit là. Let's go. Bon, c'était pas un spoil. Il essayait de... Il a vu toutes les fameuses compiles où on me fait dire des trucs racistes sans faire exprès. Il a voulu tenter son coup. Il a raté. Maintenant je suis plus aguerri. Essayez quand même toujours, hein, si ça me permet de d'avoir des subs, bien sûr. Bien sûr. Essayez toujours.
Poum 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 poum. Peut-être que je vais le dire. Peut-être que je vais le dire, quoi. Peut-être que je vais le dire. Peut-être pas. Pas savoir tant qu'on l'a pas essayé, hein. Hop. Et bah super. Bah je me souviens plus de ce que j'ai fait ici, mais yes, on va tout refaire, quoi. Et surtout, j'aurai jamais le temps de... C'est ça le problème en fait. Le problème c'est vraiment que tout est timé ici et que tout est horrible hein, globalement. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Hôtel de l'œil, ouais. Laboratoire des hautes énergies, secteur du guet. Les hautes énergies. Ah oui mais c'était tout en bas. Oh! Ah oui non mais allumons tout. Comme ça on voit tout hein, franchement. Voilà, merci. Ok, s'il vous plaît, un peu de... voilà. Qu'est-ce que j'ai loupé ici? En vrai, on me dit pas grand-chose, ceci dit. Chose là. Putain, comment je peux rentrer par au-dessus? Non. On dirait bien qu'il y a un trou par contre. Hein. Ouais, ça là-dedans, je pense pas que j'y ai été. Mais par contre, c'est l'enfer. Hein. Un truc derrière. Quel enfer. Non, je crois pas que je sois venu ici non plus. Hein. Merde. Il y a, ouais, il y a une porte sur le côté, mais je sais pas comment y accéder. Peut-être que j'aille au-dessus. Ah oui, oui, oui. Ah oui, avec mon guetteur, je vais savoir lequel est le bon. Je pense que c'est celui-là. Si, ça a l'air d'être ça. Oui! Nice. Qui a effectué des calculs de trajectoire afin d'envoyer la navette vers la station solaire? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la station suit une orbite stellaire si basse que nous avons préféré imaginer un moyen plus sûr de nous y rendre depuis la sablière noire. Ça, je le sais. Demande à Pi, je lui ai bien dit que nous n'utiliserons pas la navette pour y aller, et que la station solaire ne dispose même pas d'une aire d'atterrissage, mais elle m'a dit qu'elle était au courant. Il ne s'agit pas d'un simple exercice théorique, Yaro, après tout, quoi de plus amusant que de calculer la trajectoire d'une navette dans une orbite stellaire basse? Pi, j'ai hâte de travailler avec toi, mais je suis également soulagé de savoir qu'il sera aisé de retourner régulièrement sur la sablière noire. Très bien. Ça m'apprend pas grand chose de ce qui m'intéresse, hein, je vais pas vous mentir. Là-bas, il y a de la matière fantôme. Attends, je vais déjà retourner là. Là. Ouais.
Mais comment fais-je? Malaise. Ok. Ah mais putain. Mais je me souviens plus si j'ai déjà été là ou pas en fait, c'est ça le problème. Les gars. Ah mais pour l'instant, que c'est si intéressant. Enfin, reviens. Non. Oula. Où c'est la fiesta ici? Est-ce que ça fait un chemin ou pas? Non. Non, ça fait pas de chemin. Tac. Ok. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous conduit jusqu'à notre système solaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et nous l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Mais ça, j'ai déjà été ici, j'en suis persuadé, non? Je suis persuadé d'avoir déjà été ici. Quoique... Ah, c'est pas dit. Attends. Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons-nous pas à le localiser? Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? Ça me dit quelque chose, ça. L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. Lui est-il arrivé quelque chose? Mais il n'y a pas d'autres entrées, j'ai l'impression. Attends. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un? L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. L'œil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations, supposons que le signal ait été émis de manière fortuite. L'œil en serait-il moins important pour autant? L'œil, peut-être l'œil voulait-il être découvert, se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi? L'œil attend-il quelque chose de nous, se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. Ouais, tout ça je l'ai déjà lu ça, hein, j'en suis persuadé. Hein. Comment je sors de là moi? Comment je... Voilà. Oui. Pas loin de la matière noire. Solanum. Et en plus, son écriture est différente des autres. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent qu'il nous a conduits jusqu'à ce système stellaire. Mais est-ce une bonne chose? Papa m'a dit beaucoup que beaucoup de Nomai sont morts juste lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil avait voulu que cela se produise? Et si l'œil n'était pas bienveillant?
Merci Easy V pour le Prime. Merci beaucoup. Dans les écritures d'enfant. Ouais, elle était jeune à l'époque. Oula. Non, c'est déjà bien haut. Hein. Quel enfer. Je ne sais qu'en foutre, quoi. Ça, j'ai déjà lu tout ça. Ça, je l'ai déjà lu, hein. Tout ça, je sais. Mais c'est tellement... Merde. Ah. Pas grave. Petite session journal de bord. Bah ouais, mais... Mais bon. Ça me sert à rien. Oh, l'endroit de merde, ça. C'est là d'où je viens. Et oui, là-bas, il y a le Selakant de mort. Le Selakant, tout ça, j'ai fait. J'ai été en dessous, tout ça, tout ce qui est en rapport avec le Selakant, je l'ai fait. Et là, je me retrouve encore dans cette merde, là. Avec exactement ça où j'ai été tout à l'heure. Oh là là. C'est un petit peu l'enfer là. Merci Zy Alex pour les 13 mois. Y'a rien là-haut d'ailleurs. Un truc qui serait uniquement accessible une fois que le sable est monté. Non, je pense pas. Bah ouais, bah c'est baisé, hein. C'est jamais baisé. Alors là, je pense que c'est un peu baisé, hein. Là, je pense que c'est un petit peu baisé, quoi. Comment je pourrais réparer le générateur de distorsion ou en prendre un nouveau ou... Comment je pourrais faire, quoi? Je vais mourir. Avec le meilleur bruit de mort. Let me die. Ah non. Faut pas que je meure. Bro! Merci Alex pour les 13 mois. Alors désolé pour le bruit. Ça va pas être agréable, hein, je préviens. La croustillade. Son designer a fait ce bruit. C'est la question. Oh bah c'est ce genre de bruit. Tu prends des branches d'arbres, tu les brises, tu prends, je sais pas, une pastèque, et tu mets tes doigts dedans, tu fais le truc comme ça dans la pastèque, tu assembles les deux sons, ça te fait des sons comme ça. Hein. 100%. 100%. Ouais. Ah j'ai tout ? Non.
qui ait cru. Ah si! Ah putain. Les nomades hivernent de ce système solaire en cas d'incendie. Mais ça, je le savais, ça. Putain, mais comment je fais mon dos, quoi? Comment fais-je mon dos? Tu veux pas m'aider, toi? Littéralement, tout mène à projet sablière noir, hein, bien sûr, mais... T'as cette merde, sinon, globalement... Attendez, j'ai un truc qui est... Hop là, voilà. Un truc qui est intéressant, qui a rapport, c'est le laboratoire des hautes énergies. Ah, là, ils font de la génération de distorsion, là. Découvrir qu'il pouvait augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. En l'ajoutant, en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Ouais. D'accord, donc ça, c'est... Oui, oui. Comment je fais pour qu'il soit plus cassé? Comment je fais pour le réparer? Est-ce que je peux en prendre un autre? En fait, on est littéralement dans le générateur à distorsion de sablière noire. Hein. Tout notre système solaire est là-dedans. Hein. C'est pour ça qu'on reboot à l'infini. Distorsion. Ouais. Forger un générateur à distorsion avancé pour le projet. Oui, d'accord, mais. Il y a plusieurs fois, il ne faut pas se focus sur un seul truc. Oui, enfin, là, je veux me focus sur ce qui m'intéresse. J'ai le plus galéré à connecter mes neurones. Ah bah là, c'est vraiment c'est la plus grosse difficulté dans les, à laquelle j'ai été confronté depuis le début du jeu, là. Globalement, je sais toujours un peu où est-ce que je vais devoir aller et comment m'en sortir, et je fais les déductions assez... pas trop lentement. Et là, OMG, hein. Merde. Oui, c'est on connaît. Oui.
je lis bien. J'ai retrouvé l'épave du vaisseau Noma et dans les entrailles de Sombrance. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Les Noma tentèrent d'appeler à l'aide, mais le système de communication du vaisseau n'avait pas résisté au crash. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages provenant des autres vaisseaux Nomai. Les clans Nomai restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les Nomai ont détecté. Comme les Nomai craignaient que le signal ne disparaisse, et ils sont passés en distorsion sans prendre le temps d'informer un autre clan de leur destination. Mais si loin. Oui. Loin là surtout, j'ai l'impression. Au secours. J'ai l'impression d'avoir déjà tout lu 1000 fois, quoi. C'est la forge du trou noir, hein. Ça, on l'a bien fait, ça. Hein. Noma y réfléchir à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet Sablière Noire. Ensuite, la forge. Le diagramme de... Oui, mais... Mais merde. La station du trou blanc, oui. Déclic incoming. Mais vous le voulez, mais moi, je suis... vraiment, j'ai rien là. Hein. Non, vous me dites rien. Vous me dites rien. J'ai l'impression que la solution, elle est... là. Qu'il y a un truc là-dedans. Surtout que c'est pas loin de son bronze. Et ça, c'est un truc qui nous permet de revenir sur... sur gravité. Bon, vas-y, je vais aller là-bas, mais... Aucune idée. Hein.
Je cherche quoi déjà? Je cherche à... Ah mais des supernovas, on en voit plein maintenant. Avant on n'en voyait pas, depuis que j'ai parlé aux gars, j'en vois plein. Ah, je peux pas zoomer comme je suis ici. Ah non mais ça n'en est pas une, c'est l'intrus. Bon, je peux faire ça? Lire les liens entre les notes? Je savais pas du tout. Stop, stop, stop. Arrête-toi, 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 OMG. OMG. OMG, arrête-toi. OMG. Okay, il me force à revenir parce que je suis parti trop loin. Le troublant, il est pas loin de son bronze. Il y en a plein qui ont fini le jeu et qui savaient pas qu'on pouvait lire les flèches. Vous avez pas le... Vous saviez pas le chat à l'époque. Ouais. Ouais mais là, c'est juste un point de retour pour... Mais c'est un point de retour pour Gravité. Hein. Ça, ça lui permet de le faire tourner, oui, d'accord. Merci Ralm pour le Prime, merci beaucoup. Ça, ça me fait me revenir sur Gravité, ça m'intéresse pas du tout en fait. Rire de droite. Merci Turbo Serre pour les 8 mois. Putain, mais c'est vraiment. Je n'arrive pas à comprendre. Là, elle est pas en rotation, hein, donc on s'en fout. À quoi ça me sert d'avoir ça ici, d'ailleurs?
What the fuck, les amis? Pourquoi je vais pas sur sablier noir? Parce que j'ai d'autres choses à faire. Générateur à eux. Putain. Sinon, je pourrais pas en récupérer un dans un des autres vaisseaux Nomai. Je reviens du coup. Avec ça, je ne sais qu'en faire. Bro, 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 bro. Moyen de poser ça? Non, ça veut pas. Ah, vraiment, là, je suis désolé, mais je suis vraiment. J'ai rien. Mais ne dites rien, Rin! Ouais. Et ça là, le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Du coup je mets ce truc là dans le pilier, hein? De la merde. Hein. Oui, je suis déjà allé au vaisseau. Je suis déjà allé dedans et tout. Et c'est justement quand je suis dedans, en fait, quand t'es dedans, t'as le générateur qui est complètement pété. Après, tu peux le replacer sur le pilier en question. Bon, sauf qu'évidemment, il se passe rien. T'as le truc dans lequel tu dois rentrer les coordonnées de l'œil. Ça, là. Ce que j'ai fait. Et ensuite... Oh, le gros point d'interrogation, bah, c'est le projet Sablier Noir. Hein. Ouais, il y a un générateur de distorsion avancé dans la salle centrale de la Sablier Noir. Dithorine. Dithorine.
Ouais, mais bon. Non mais d'accord, ça c'est super, mais... C'est vraiment super, mais... Ah oui, d'accord. Bah, j'ai envie de péter un plomb, quoi. Péter un plomb, quoi. Oui, d'accord. D'accord, mais Poke, Poke a réussi à faire le générateur de distorsion. Mais comment t'as fait ça, Poke? How did you do it? Une nomade nommée Poke réussit à forger un générateur de distorsion avancé. En vrai, c'est ça la solution. Putain. En vrai, il y a un truc à faire avec ça. Hein. Du coup, est-ce que je peux en forger un, moi? Mais non. Je pourrais faire ça, je suis fou. Ça, j'y ai pas accès encore. Je peux pas y avoir accès. Justement, ils ont tout fait pour... Voilà, il n'y a aucun passage ni fissure. Ils découvrirent une forme de vie semi-aquatique et dotée de 4 yeux dans les cours d'eau à proximité de la mine, c'est nous. Je deviens fou. Ouais. Franchement, moi j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire que c'est ça. Hein. Bon, j'aime bien, j'ai ça sur moi. Merde, non, elle est où l'autre conne? Je vais suivre mon cœur, hein, mais bon. J'aurai jamais le temps. Il faut que je fasse descendre le truc. Et comment on y revient déjà? Putain, j'ai oublié. Si, c'est depuis sablière noire, je crois. Oui. Je crois. Oui, quand je lis mon journal, sans pause, je sais. Ah, c'est compliqué le chat. Hein.
caméra d'atterrissage est endommagée. J'en ai pas besoin, je m'en fous. Où est le pôle Nord? Là. Ouais, mais c'est probablement pas la bonne solution. Attends, où est le truc en question, le truc qui m'intéresse, là? Merde. Là, là. Non mais vas-y, au revoir. Mauvaise idée. Rire de droite. Ah. Allez. Putain. Ah non, mais je finirai pas le jeu ce soir, le pandémique. Hein. Je pense qu'il nous restera encore un live dessus. Faut-il encore que je trouve la solution à ce que je cherche là? Oh, la lune quantique est énorme. Attention. Je crois que c'était sur sablière noire le truc, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Je crois. Merde. Je crois. C'est où? De l'autre côté du soleil, non? Elles sont où? Très bien, Nathan. Merci Raptors Prav pour le sub, merci beaucoup. Putain, elle est déjà bien entamée sa blière noire, hein. Je sais pas si j'aurai le temps de faire quoi que ce soit. Hein. Oh, la lune quantique, énorme. Énorme. Putain, c'est lequel? Ça, c'est la station solaire. Je me souviens plus. Lequel est gravité? Ça, c'est Atrebois, je crois. Je crois. Ça, c'est quoi déjà? Putain, je me souviens plus lequel est gravité, putain. Bon, attends. On va m'emmerder. On va les parcourir vite fait. Terrible. Bon, je suppose que du coup, c'était pas Atrebois. Ça, c'est lequel, celui-là? Putain, c'est lequel? Je me souviens plus, là. Merde. Oui, c'est celui-là. Ça va être chaud, je pense, hein.
Surtout que je sais pas vraiment ce que je cherche, il me semblait avoir déjà tout fait. Hein. Ne saute pas. Déjà fait l'expérience. On ne saute pas. Rire de droite. Il n'y en a pas un qui traînouille. Rire de droite. Bah, c'est très décevant en fait. Mais là faudrait que j'y aille quoi. C'est impossible. Bah merde. En fait, y'a rien. Y'a rien du tout. Ouais, du coup, c'est pas ça du tout la solution, quoi. En tout cas, sinon, je comprends pas. Trou noir, trou blanc, là, hein. Là, je suis complètement perdu du coup. Hein. Et boum. Hein. Et boum, on est aligné avec, d'accord. Ne pas sauter. Je l'avais trouvé à l'intérieur, le truc. On est d'accord que je l'avais lu, ça. Hein. Bon, je vais être certain. Un peu au secours. Hein. Boum. Ouais. Ouais, oui. Bah, bien de la merde, hein. Vraiment top, quoi. Et là, ça me permet juste de revenir à la surface, quoi. Tac. Ouais, non, c'est, ça servait à rien que je refasse ça, hein. Eh bah merde, hein. Les amis, j'ai envie de vous dire merde. Hein. Désolé pour la déception une fois de plus, mais là...
crever. Hein. Je deviens fou parce que je ne comprends pas ce que je dois faire. Une fois qu'il trouve ce qu'il cherche, il a fini le jeu, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Tout ça, je l'ai lu, hein, bien sûr. Oui, tout ça, j'ai noté. Non mais vous inquiétez pas, vu que je lis le chat de façon très sporadique, là. Je vois surtout les gens qui disent « Oh là là, attention, le spoil !» Et vous inquiétez pas. Les trucs ont été livrés sur Sablière Noire. Si c'est livré sur Sablière Noire. Debnet pour les 1000 bits. Bonjour cher Antoine, je vous découvre vraiment tardivement, quelques mois à peine, mais vos rediffusions de live m'accompagnent dans mon travail quotidien. Merci pour cela et bonne continuation. Un plaisir, merci beaucoup à toi. Un plaisir. Le vouvoiement, bah, c'est normal, hein. Bon, merde, hein. Allez. Attends, je vois un truc. Je juste voir un truc. Ah, c'est la fin. Très bien avec. Merde, je l'ai mal placé, super. C'est intéressant. Super, merci à tous.
Oui, je l'ai fait, la tour du savoir quantique. J'ai fait beaucoup de choses sur la lune quantique tout à l'heure. On a rencontré Solanum et tout. T'inquiète. Petit Pompix pour le sub-tier 3 du coup. Merci beaucoup. Il me reste quoi à faire? Bah, essayer de faire marcher le générateur du vaisseau. Le vaisseau qui est coincé sur son bronze. Je sais pas du tout comment faire. On va se retaper encore quelques petites lectures, quoi, je pense. Hein. Mais dernier point d'interrogation. Mais oui, mais le dernier point je sais que tu veux me hint là-dessus, je le sais depuis tout à l'heure. Et c'est le cœur de sablière noire. J'ai aucune foutue idée de comment on y fout les pieds, quoi. Mon pote. Voilà. C'est Drukan pour les 4 mois. Ah, y'a des petits cops basta. Let's go! Let's go! La salle centrale de la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Les Nomai voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sablière noire. Chaque souvenir enregistré par une statue Nomai est transmis à l'unité de stockage correspondante sur la sablière noire. L'installation d'un générateur de distorsion avancé dans la salle centrale de la sablière noire a été décidée. Voilà. Il a été fabriqué ici. Le point d'alignement d'une tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion. En réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Toutes les tours de distorsion étaient construites sur la sablière noire, tandis que les 6 récepteurs de distorsion étaient conçus dans des endroits différents. Une Nomai nommée Pook réussit à forger un générateur de distorsion avancé pour le projet sablière noire. Bah bravo Pook. Moi je ne sais pas faire ça. Voilà, parce que le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Du coup, il doit y avoir des petits bouts qui traînent. Il est mort depuis longtemps. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages provenant des autres vaisseaux Nomai. Les clans Nomai restant se rassemblent face à l'infini. Ils sont passés en distorsion tout de suite. Ils sont passés en distorsion. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Pour passer en distorsion, il faut un point de réception. Non ? D'après tout ce qu'il y a écrit là. Un point d'entrée, un point de sortie. Si le point d'entrée c'est le vaisseau, ça veut dire qu'il y a un point de réception sur son rance. Merci Méo Anar pour les 5 subs offerts. C'est-à-dire que là où il y a le vaisseau... Normalement... Ah mais c'est... On va retourner sur son bronze, on va refaire cette merde. Hein. Je vais regarder les alentours du vaisseau quand j'y arrive, voir si je trouve pas une connerie, j'en sais rien, tu vois. Shit. Stop. Stop, 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 stop. Non, non, c'est stupide ce que je viens de... Bon bah bonne nuit du coup. Ça me fait dire que ce n'est pas ça.
Du coup, on ne va pas tenter ça, alors. Moi, ce que je vous conseille, quand vous avez envie de dire un truc par rapport à... Si vous avez envie de je sais pas, de backseat ou de... Ou de dire des trucs un peu qui peuvent donner des indices que je n'ai jamais demandé. Fermez vos gueules ! OMG ! Pardon. Hein. Alors. Non, il s'est fait carrément attraper en fait par son bronze. Mais non, la réception c'était ça. Mais sauf qu'il a pas eu le temps d'arriver parce qu'entre temps. Voilà. Le problème, c'est que quand j'arrive là, je rentre les coordonnées de l'œil. Sauf que, évidemment, vu que le générateur de distorsion du vaisseau ne marche pas, il ne se passe évidemment rien. Il se passe rien du tout. Rien. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Il se passe rien. Merci Droncan pour les 4 mois, merci beaucoup. On peut retirer les mots only. Je pense que le chat peut se tenir. Au niveau du spoil. Y'a pas de soucis, je leur fais confiance. Je leur fais confiance à 100%. Je fais confiance. Si je peux prendre l'objet, c'est qu'il doit me servir à quelque chose. Si je le place sur le pilier, il se passe rien. Merci Greek Wolf pour les 5 subs. J'ai parlé au préfet, bien sûr. Bien sûr, les amis. Vous me prenez pour un... Pourquoi la manette ne fonctionne plus ? Allô ? Ça va ? Débrancher, rebrancher. Pensez aux côtelettes, bien sûr. Fratello pour les 5 mois. Fratello le fraté, bien sûr. Merci Tarte aux pommes pour les 3 mois. Putain, mais ça rend fou. Est-ce que je vais bien ? Non. Non, je vais mal. Je vais mal car je ne comprends pas.
à 10 000 subs, il trouve la solution, bien sûr. En plus de ça, putain, comme par hasard, le train. Ouais, putain, mais au secours. Putain! Et du coup, on va peut-être se focus sur cette merde. Vu que le reste, ça, ça veut pas. Je sais pas. Hein. Ah, si, Hurricane Hawk pour le Prime. Je fais ça parce que je sais pas du tout où aller là en fait. J'ai aucune idée d'où foutre les pieds là. Putain. En fait, bon. Que j'aimerais faire. Mais après, c'est même pas dit que ce soit ça ce qu'il faut que je fasse, quoi. C'est faire marcher leur générateur de distorsion. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas possible. Sauf que ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi est-ce que je peux prendre l'objet en question, en fait, si c'est pour rien en faire. Pourquoi est-ce que le jeu me laisserait prendre l'objet si je ne peux rien en faire? Me bait. Pas le genre du jeu de bait, hein. Rire de droite. Ah si, il a le 1 pour le sub offert. D'ailleurs, c'est marrant, ce truc-là est vraiment lié à rien. Bizarre, quand même. Après, c'est l'intrus, quoi, donc... C'est probablement le truc qui a emmené la matière sombre. Quel putain de rapport. Quel putain de rapport. Et j'ai du mal à comprendre certains codes couleurs. Pourquoi certains trucs sont gris? Et d'autres non. Thème. Mais oui, mais sauf que les trucs gris, ils sont dans toutes les... Autant vert, orange, violet, rouge, je veux bien que c'est des... y a des thèmes. Mais gris, il y en a littéralement partout. Ça me rend complètement fada. Qu'on soit bien clair. Hein. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là?
Putain, j'ai l'impression d'avoir tout lu. Hein. J'ai l'impression d'avoir tout lu, tout vu. Et comment le Selakan s'est retrouvé sur la grotte? Alors ça, mon pote... Ouais, je sais pas comment le Selakan, qui est censé être sur son bronze, s'est retrouvé dans Sablière Rouge. Comment cette méduse, qui est censée être dans le cœur de Léviat, s'est retrouvée sur son bronze? Les animaux quantiques, ouais. J'ai zappé un truc. Ah mais je te crois. Je te crois 100% que j'ai zappé un truc, hein. Ah, j'ai bien zappé plein de trucs, là. J'ai vraiment zappé des trucs de fou, là. Hein. Essaye de récapituler. Mais récapituler quoi, en fait? Compliqué. Merci Pierre Loué pour les 6 mois, merci beaucoup. Ça, c'est des trucs importants, tu vois. Ça, la forge, le... Tout ça, c'est des trucs de distorsion. Azarus pour le prime. Ah, la salle centrale de la sablière noire. Ah non, franchement, je... Le laboratoire des hautes énergies renferme des plans, des tours révélant le... chaque récepteur de distorsion. Ah, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est le générateur de distorsion. Je pense qu'il faut que j'aille sur Sablière Noire. Hein. Sasuke and Sub, ça lui arrive tous les mois. T'inquiète, il le sera à un autre moment. Alors, hop, on va se placer plutôt par là. Je crois que c'est pas mal. Oui. Le truc a même pas encore commencé. On y est beaucoup trop tôt, bien sûr. La solution se trouve sur cette petite planète. Hein. Tout est là. Hein. Les Zébordi, les amis. Mais we wait. Hop là. Mais we wait, et je sais pas trop ce que je suis en train de chercher. Hein. Je vais pas vous mentir que c'est un peu random. Hein. Tout ce que je sais, c'est que les générateurs de distorsion se trouvent ici. Effectivement, puisque c'est dans leur tour. Après, c'est peut-être dans la grande tour, là, en forme de fleur, là. Peut-être un rapport, hein.
Almos. Ouais, ce truc là, là. Là où j'ai atterri. Non, je vais pas faire une sieste sur la sablière rouge, je fous pas les pieds là-bas. Non, non, surtout je veux du temps en fait. Je souhaite avoir le temps. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette branlerie là? La sablière rouge. Ah, le bro. Il y en a une au pôle sud et il y en a une au pôle nord. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Waouh. L'une et l'autre. Ouais, je me souviens plus trop de leur utilité vraiment. Regardez comme elle est grande et grosse, bien sûr. Le problème c'est que si je rentre là-dedans, je peux plus en... Ah si, je peux en sortir. On retente. Tac, 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 tac. Ils doivent être alimentés par ces grosses tours là. Bien juste un. Mais surtout en plus, admettons je chope un générateur, là, jamais j'ai le temps de l'amener sur son bronze. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire, c'est pas la bonne idée. Comme disait Jacques dans Tout est magnifique, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà une quantique. Là, le gros machin. On attend que le gros machin y passe.
plus à quoi ils correspondent ceux-là. Eh, franchement, vous pouvez pas fermer vos gueules? Il s'est littéralement rien passé, et là vous êtes en mode « Oulala, oulala !» Surtout dites rien! Surtout dites rien! Yes. Yes, c'est par là, quoi. D'accord, bon, bah, je vais me placer là, alors. Mais je comprends pas, en fait. Alors, à quel moment où est-ce que je vais tomber? Ah, son bronze? Non. Mais ça va m'emmener sous les vias. Ça m'emmène nulle part. Kill me, please. Kill me! Fucking do it! What? Do it! Bien sûr. C'est parti. Je garde calme. Je vais retourner sur YouTube bientôt. Là. Bientôt le retour sur YouTube. Let's go. Ok alors. La lune quantique. Non, 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 non. Stop, 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 stop. Puis-je aller là-bas de façon sereine, s'il vous plaît?
Bien. Qui sont trouvés, bien sûr. Ça serait pas le fun sinon, là. Ouh, calmos. Voilà le gros machin. Ok. Ouais, non, toi, j'ai déjà donné, hein. J'ai déjà donné. Hop là. Très bien. Bon, alors. S'il revient. Ceux-là. J'ai l'impression d'avoir tout croisé. La gravité là. Ah bah c'est pourri hein. Donc ceux-là ils sont pourris. Dac. Pas quoi foutre là. Je vous admettre, je suis un peu paumé là. Désolé la VOD, hein, là vraiment. Ah pardon la VOD. Hein. Vraiment, vraiment je suis navré. Hein. J'ai plus de ce qu'il dit. J'ai oublié. Tu m'as oublié. De quoi le lire? Ah, salut. Oh joli. J'ai oublié. Ça, c'est pour être bois, ça. Franchement.
Je me rappelle un truc. Sur Sablière Rouge. Dans le laboratoire des énergies Mekui, là, la grande tour, on faisait des expériences et on mettait le petit trou blanc, le petit trou noir. Et donc je pourrais en prendre un. Pour l'amener sur Sombrance. I don't know. Attends. Non mais là ça va être un peu trop tard mais... l'entrée était où déjà? C'est... comment rentrer là-bas. Ah non, c'est pour l'hôtel de l'œil. C'est l'hôtel de l'œil vu de l'extérieur. C'est pas ça, c'est pour la cité. J'ai oublié comment on y va de toute façon. J'y suis allé tout à l'heure en plus. C'était par la cité. Complètement. Et là maintenant il est clairement trop tard pour que j'y aille. Oui. Oui là il est trop tard pour que j'y aille. Ça se trouve, c'est même pas ça en plus. Hein. Probablement pas, quoi. Ah, si, Vince, pour les 4 mois. Y'a pas autre chose à explorer sur le planète qui se vide. Oh, bah si. T'as leur centre là. Merci React Stream pour le Prime. Merci beaucoup. On retourne pour cette merde. Le principal, c'est que tu te donnes un objectif au moins. Oui, mais ce genre de phrase ne me dit rien qui va et je veux pas. L'important, c'est d'essayer, quoi. Au moins, tu sauras, quoi. Au moins, tu sauras à ce moment-là, tu sauras que ce n'est pas ça. Let's go.
Oui, non. Perdu. Non. Mais ah oui. C'est horrible hein. Tout est horrible hein. Faut y aller vite. Ouais, mais il y a le moment où il faut attendre que le sable monte aussi. Quel enfer. Ça c'est pas quantique hein. Bien sûr que non. Là j'aurais bien aimé hein. Les cactus quantiques là. J'aurais kiffax. Et voilà cette merde. Let's go. C'est parti le chat. C'est passé quoi depuis 15 minutes SVP? Rien. Vraiment, mais je, alors là je fais du surplace. Let's go. En tout cas, le jeu est génial. Même si là, j'en chie de ouf. Mais je sais que j'en chie de ouf, pas parce que le jeu est pas bien, mais parce que j'ai pas bien réfléchi au truc. Mais le jeu est incroyable. Hein. Faire le DLC aussi quand il sortira. Bah si j'aime la fin du jeu, et vu comment tout le monde en parle, je pense que oui. Si j'aime la fin du jeu et que voilà, oui oui bien sûr, j'aimerais beaucoup oui. Ça me fait mal? Non. Non. Ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Bah là je m'accroche bien pour essayer de trouver la solution parce que j'ai pas spécialement envie de perdre le momentum, mais il est possible effectivement que ce temps de réflexion me fera du bien, tu vois, mais... Oh merde hein. En Pix 2000 hein. Ok. Rire de droite. Peur. Non. J'ai toujours le chemin. Oui. Merci Underag pour le Prime. Bakuryu, les 4 mois. Merci beaucoup. Ok. Et maintenant ouais. Ah, c'était quand j'étais là-bas tout à l'heure que ça avait tout le planté. Faire ne pas jinx. Lol. Boum.
Debout. Debout. Et... let's go. Donc... lequel je prends, quoi? Et surtout, est-ce que je les fous, quoi? Je sais pas lesquels sont les bons, en fait. Ça, c'est un truc de sortie. Ça, c'est un truc d'entrée. Bon, je vais en prendre un. Je vais prendre celui-là, hein. Une chance sur trois, les secondes. Ouais, les mêmes. C'est quoi, ça, déjà? C'est exactement le même truc que j'ai là-bas, hein. Et boum. C'est exactement la même chose qu'il y a dans le vaisseau là-bas. Hein. Sauf que là, il est censé y avoir les coordonnées. Attends. Attends. Besoin de voir. Exactement le même truc qu'il y a dans le vaisseau. Enfin, quasiment la même chose. Ouais. Et qu'est-ce que ça change quand je fais ça, je me souviens plus. Ça désactive ? Non. Qu'est-ce que ça change quand je fais ça ? Ouais, là on voit vraiment la diff. Et lui, je sais pas à quoi il me sert. Bon, vas-y. Le vaisseau à l'autre bout de la planète, super. Ça va jamais marcher, hein. Je vois même pas comme où l'intégrer, en fait. Je comprends même pas, en vrai. Là, je tombe juste n'importe quoi, hein. Ça reste un truc à essayer qui te débloquera des idées. C'est tellement pas ça, quoi. Non, regardez, il y a des supernovas. C'est tellement pas ça. C'est parti pour l'ambiance encore. Hop. Doucement, doucement, doucement! Putain! Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait un connard.
Come on. Ah, je vois les lumières. Ok. Stop. Non, non, pas du tout. C'est parti. J'arrête de parler, effectivement. Ok, je pense que je peux me figer. Tranquille. Ok, nous voilà. Nous voilà. Attends, je vais quand même checker un peu l'extérieur vite fait. Voir s'il n'y a pas un trou quelque part où je pourrais rentrer ou que j'ai loupé. Pas l'impression. Non. Bon. Et voilà la fameuse salle. Regarde ce que j'ai ramené. C'est top, non? Qu'est-ce que je vais en foutre? Alors là, mon pote, probablement rien. Parce que je ne peux le mettre nulle part, hein, bien sûr. Voilà. Déjà en main, un générateur à distorsion. Tiens, en plus, je peux même pas le poser. Ça c'est énorme. Je veux bien que ça c'est énorme par contre. Hein. Ça c'est énorme parce que je suis complètement lock hein, du coup. C'est grave plaise. Insertion impossible. Et bah c'est win, hein, j'ai envie de vous dire, c'est juste win quoi. C'est juste win. Et à cause du 0G, oui.
même pas le poser ce grave plaisir. Tellement pas fait pour que j'apporte ça ici. Oui, 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 je sais. Comme d'hab. Pardon, bro. Parce que là, quand je rentre les coordonnées de l'œil, ça me sert à rien. Fait la même chose, Mitsune. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, c'est très mystérieux, hein, cette histoire. Hein. Ouais, non, là, franchement, bro, I don't know. Un générateur de trou noir, mais pas de distorsion. Bah si, c'est un générateur de distorsion. Je ne sais que foutre de cette merde. Mettre les coordonnées avait fait quoi? Rien de particulier en fait, le truc était re-rentré dans le sol et je pouvais plus le sortir d'ailleurs. Je ne pouvais plus le sortir une fois que les coordonnées de l'œil étaient rentrées. Vraiment, j'aurais pas trouvé, hein. J'aurais pas trouvé, hein. Mais honnêtement, le seul moyen de comprendre, c'est en lisant le journal. Mais je l'ai beaucoup lu, le journal. Hein. Je l'ai vraiment... J'ai quasi tout lu, hein. Je pense que j'ai tout lu, même, encore. Hein. Dodo et ça repart, ouais. Ouais, je vais stop pour ce soir. Parce que là, je n'en peux plus. Je pense que l'illumination va me venir hors stream. Je vous promets, par contre, je vous promets que j'irai jamais voir de Solus ou de trucs comme ça. Hein. Au cas où certains en douteraient, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt, je ne prendrai aucun plaisir à faire ça. Bien sûr.
Et boum. Reprends demain? Non. Non, en début de semaine qui arrive, je pense. Boum. Demain, j'ai joué au gassin. Je sais. C'est infiniment moins bien. Regarde, il est là, ce connard. Il est là, ce connard. Hein. Il est là, ce connard. Hein. Mais je ne sais qu'en faire. Hein. Je ne sais que faire de lui. Hein. Mais toujours jouer au gassin la main? Bah pourquoi pas. Et si, bien sûr. Pèse des fois le tournage au gassin. Non, ça ne me pèse pas. Non, c'est trop cool, moi j'aime bien faire ça. Non, je le ferai pas. Hein. Lope.